Lui joue quoi? Ah, lui jouait le blade avec le build, ok. Check pro build, non. Je check que les OTP quand il s'agit de regarder des builds. M'intéresse pas de regarder pro build. Ça fait très longtemps que je regarde plus pro build. Draven. Ouais, c'est ça, il fait Essence River. Des fois collector en deuxième, sinon il fait Shield Bow et tout le bordel. Ok, c'est noté. Regarde le build de Pestar, non. Vraiment pas, non. M'intéresse pas du tout. Pestar est stock sur Conquérant depuis un an et. Il est en OSAF total de ce qui est bien pour Draven. Il joue que ce qu'il aime bien sur Draven. Tant mieux pour lui, mais c'est vraiment pas ce qui est mieux sur Draven. Je vais pas utiliser mes sums pour ça. Elle peut pas, elle peut pas. Ouais. Nice au moins là quand c'est le. Elle a quand c'est le bac de triste. C'est problématique en vrai, mais pas trop. Mais ça fait trop longtemps que j'ai pas joué un autre perso que Vayne. En fait, j'ai pas envie de jouer avec un autre perso que Vayne, ça me fait chier. Genre, je suis pas dans un mood où j'ai envie de jouer autre chose. Ça m'emmerde, vraiment, ça m'emmerde. Je joue la game vraiment juste pour la banque. Hein. En temps normal, je l'aurais pas joué. Que ça me fait chier, putain, genre c'est. Ça casse les couilles. Comment c'est possible, putain? Quoi? Nice. Nice. Il perd énormément là-dessus, c'est big. Il y a une fille. Hop. Tac. Nice! Putain, let's go! Ça met bien. Le Kha'Zix, il se met bien dans la game, dans une game où on a besoin d'assassins. Oh, dommage. Elle a bien joué la Irelia là-dessus. Et pourquoi Pyke est revenu? Genre, enfin, pourquoi on en voit autant? C'est revenu méta? La 104 roll, on est d'accord. Hein. Elle est à la mid pour. Elle est à la mid sans ward. Alors que le TF avait back, on est d'accord, elle a troll.
Ouais, bah c'est vrai, ok. C'est vrai, c'est pas grave. De toute façon, encore une fois, je me le répète, cette game est pour le bank. Le bon king. Osef de la win ou de la lose. C'est absolument irrelevant. Nice. Salut Polo. Non mais c'est fine, on perd rien du tout. J'ai beau avoir 21 CS, la Tristana a moins de KP. Enfin non, elle a plus de KP mais elle a moins de kills. J'ai réussi à avoir des cash out et j'ai que 6 CS de retard. La Soraka est toujours en train de troll au niveau de la map, mais c'est fine. Un Simur c'est big par contre. Et c'est un shutdown en plus. J'ai rien à faire au bot. Pas qu'il va revenir avec Tristana, je vais juste aller faire les wolves. J'ai pas l'intérêt à apparaître en botlane. Nice. L'ulti de chaîne est up. Faut faire attention à ça. Je suis pas bien. Oh, c'est pas problématique. C'est vraiment pas problématique, c'est pas grave. Hop. Le but là, de toute façon, on sait très bien qu'ils vont faire ça toute la game. C'est de juste tempo le plus possible et de faire avec. Dans tous les cas, avec toutes les ressources qu'ils mettent bot, on est voué à mourir. Et on a le scaling avec le TF, donc c'est pas très grave. Je pense vraiment qu'on a un bien bien meilleur scaling. Pas qu'il joue bien, non, non, il ne joue pas bien, genre c'est... S'il jouait bien, il ferait du zoning et il serait en train de freeze en fait. Et il irait roam en laissant des meilleurs freeze sur la wave de Tristana et gankerait pour setup des Drake une fois que la wave est shove et que j'ai pas le choix, tu vois. Mais c'est pas ce qu'il fait, genre. Ça là par exemple, ça sert à rien. Il flash pour un Draven qui est déjà au fond. Et dans tous les cas, ils avaient le Drake parce que Kha'Zix est topside, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Dans tous les cas, il me divait et il a waste un flash. Si t'as MSM proprement, il sait que j'ai pas mon flash. Donc non, je trouve pas qu'il joue bien. Mais c'est juste le principe d'avoir des persos cheese qui sont devant, tu vois. Genre moi avec Draven, tu mets devant avec une essence river. Si je mets deux autos et que c'est des crits, tu vas pas me dire j'ai bien joué. C'est juste le champion qui est censé faire ça. Ils ont une triste en vrai, mais c'est irrelevant en fait. Ils ne peuvent rien faire contre l'équipe pour moi en fait. TF est un gros counter de Vayne et on a un Kha'Zix en fait. En fait, je sais même pas pourquoi j'essaie d'expliquer un chat qui me backseat comment jouer une macro et attendre le scanning en fait. Je vais juste me concentrer sur la game. C'est combien? C'est 1000, hein? Ouais. Ah oui, quand même. Attends, mais il a pas mis un stun de... Ok, ok. Bah, ok, my man. Ouais, c'est maintenant qu'il décide de fight, tu vois, je comprends pas.
Oh, les bots, hein. Oh, big. Le triangle qui fait le taf. Je peux pas avancer plus loin que ça, malheureusement. Hop. Après, je sais pas pourquoi Lee Sin ne fait pas de Drake, hein. Je sais vraiment pas pourquoi Lee Sin ne fait pas de Drake, hein. C'est tant mieux pour nous, hein. Leur win condition, c'est vraiment les Drake et les objectifs de map. Ils ont décidé de pas en faire. Ah, le premier à 11 minutes, c'est vraiment pas une menace, hein. Ça veut dire une soul à 30. On aura largement le temps de jouer la game. Kevin est top. J'avais peur qu'elle me, qu'elle me go sur l'ulti. Je vais refaire une wave. Ok. Une grosse wave qui crash, y'a personne pour la récupérer. J'ai le même farm que la Tristana, je suis pas trop mal. Je vais faire des tamis cette game. Il vient pas m'aider à enlever la wand. Pourquoi il. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas, genre. Mais pourquoi ils mettent pas? Mais pourquoi le Kha'Zix c'est Ovreis? No troll. Bah ouais, mais le Kha'Zix n'est pas là. Il a encore les bots side au lieu des Déomides. Pourquoi il l'ulti maintenant? Et pourquoi il a pas ulti out? Ouais, je pense à un FF, hein. Ouais, c'est un gros FF. C'est un bon gros FF. Le temps que je récupère des items cette game, c'est... C'est juste trop long, j'aurai pas l'occasion de jouer la game. It smells like home here. Ah oui. Il a failli me tuer quand même. Allez, bien joué, Swank. Non, mais lui, il est insupportable par contre. Complètement con, lui. Ils sont complètement cons, qu'est-ce qu'ils branlent? Là, tu vois, là, c'est le genre de truc qui me dit c'est du sniping, en fait. Ce genre de truc, ça se passe pas dans une game normale, ça n'existe pas.
de commit autant pour un Draven qui est en 2-8 et lui donner que des shutdowns et des kills et une possibilité de revenir dans la game, ça n'existe pas dans la game normale. Je sais que c'est du Master ou du D1, mais... Mais même... C'est pas des... Il y a aucune réflexion dans ce qui vient de se passer dans la team d'adverse. C'est pour ça que je me... Enfin, je me dis, bah, tant mieux, tu vois. Du coup, c'est grâce à ça que je vais win. J'avais pas vu. Yo, t'es Shrek pour les deux mois. Merci à toi, mon bro. Moi, je l'avais un max d'appareil pour le moment dans le chat. Du coup, hop, tac. On va probablement faire... Shinbo. Shinbo est vraiment value cette game. Dommage. Je la tue ou pas? Peut-être pas non plus quand même. Quoi? 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 D'accord, donc je fais un move, il y a 5 personnes. Hein. Ça m'est très très bien. Qu'est-ce qu'il fait le TF? Ok, big! Dommage. Qu'est-ce qu'il fait? J'hésite à faire Kraken cette game. Ouais. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Je savais qu'il allait faire le truc où je peux pas l'auto. Nique ta mère. Nique ma mère. Ouais, mais tu vois, encore une fois, ils sont 40 au mid. Et personne, il y a personne pour gérer l'Irelia, il est en free farm. C'est aberrant en fait, je vois vraiment briller tout le temps autant de monde sur moi à chaque fois. 3 gars sur toi? Bah non, 4. Il y a 4 personnes sur moi. Non, 5. Regarde, j'ai tué le Shen, j'ai tué le Pike, et t'as les 3 autres là. Non, c'est 5 mecs constamment sur moi. Je suis en 6-10. J'ai 10 morts dans la game. Je suis absolument irrelevant. Et continue. Enfin, non, je suis pas irrelevant parce que je commence à casser les gueules. Mais je ne suis pas. Tu vois, il ne devrait pas focus autant sur moi. Je ne pense pas que c'est leur win condition. Le Kha'Zix, il est en 8-1. Il va vite devenir ingérable. Shilbo, du coup, ouais, parce que... Parce qu'ils aiment trop Sam Cheese. Si c'était pas pour le Cheese, j'aurais pas fait le Shilbo. Et parce que c'est moi, je fais un Shilbo. Non, ils sont top. Continue. Hein. Dommage! Putain, en vrai, j'ai à part la Soraka, ils servent vraiment à rien, les mecs dans mon équipe. Qu'est-ce qu'il fait? On gagne ça. Si on gagne pas ça. Ok.
Ouais, c'est GG, ils ont plus rien. Ils peuvent pas fight, ils ont plus rien. Tu vois? C'est exactement ce dont je parle. C'est pour ça que je me dis que c'est ça n'a aucun sens et ça n'arrive pas dans une vraie game. Je suis persuadé que ce qui se passe là, ça ne se passe que parce que je suis là, tu vois. Je pense vraiment que ça n'existe pas dans une game normale. Et ma team a su jouer autour de ça et les pillant là-dessus, tu vois. On va directement aller au Nash. Petit suicide au calme. Après, je m'en plains pas, c'est ce qui nous a fait win la game, tu vois. En soi. C'est vraiment ce qui nous a fait win la game, donc c'est irrelevant. Faut qu'on fasse gaffe à pas se faire cheese. Rotate de bot. Oh mais une vine. Ouais. La vine ne peut pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'auront jamais gagné la game quoi qu'il arrive en fait. Izadei, tu me connais mal. J'ai eu des grosses périodes de TP Draven. C'est juste que Draven, à mes yeux, est un perso qui est joué autour de la patience. Si tu tiltes parce que t'es mort... Enfin, le perso amène plus au tilt quand tu meurs parce que tu perds tes stacks de parce que t'es censé bully l'early et tu perds tes stacks de ton passif. Mais si tu tiltes en tant que Draven en early et que t'es pas assez patient pour récupérer tes kills, tu es voué à perdre la game. C'est que tu n'as rien compris au champion à mes yeux. Mais j'ai clairement eu des grosses périodes de TP Draven. À thème, ouais mais ça change rien. Bro, je joue Vayne qui est le pire champion que tu puisses blind pick en bot lane. Je n'ai quasi aucun match-up pour moi et ça me pose pas de problème, tu vois. Genre, je pense que un mindset, ça s'établit pas juste au champion. Je pense vraiment que la période des L9 Draven, elle est finie, elle est vraiment révolue. Il m'a eu, hein. Maintenant, pour jouer Draven, Imo, faut être smart. Tu peux plus juste faire n'importe quoi et ton early, il se base quand même sur des items. Mais je vois ce que tu veux dire. Let's go. Ils peuvent pas gagner. Ils ne peuvent littéralement pas gagner. On a joué sans la Irelia alors qu'ils nous ont trap. On a gagné alors qu'ils sont devant. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas gagner. La seule raison qui aurait fait qu'ils auraient potentiellement pu gagner la game, c'était d'essayer de mettre soit le TF, soit l'Irelia au fond, et de permacamp. Vu que de toute façon, au bot, on n'arrivait pas à gagner. Ouais, GG WP.
Ah, tu sais qui va se con, on va se... Tu arraches encore des têtes avec Draven. Oui, mais c'est parce qu'ils ont que des squishies en fait. Ils sont full AD, ils ont que des squishies. Et la force de Draven, c'est justement de... La faiblesse de Draven plutôt, c'est de se faire outrange et poke avant les fights. Sauf qu'ils ont que des AD qui viennent en range d'auto. Donc forcément, forcément, je vais être relevant. J'ai hâte de view profile. On va honorer Soraka qui a réussi à être suffisamment patiente à travers mon int. 22 LP, mec, mes MMR, elles sont vraiment ridicules. Mes MMR sont vraiment stupides. Je vais regarder le profil de la main. Ouais, ok. Le mec a 3 lose, 1 win de Vayne et il joue Vayne Flash Ghost TM. Personne ne sait pourquoi. Il n'arrive pas à gagner Uchis Selayne. Quand il gagne, il a dû faire deux bonnes games, tu vois, les deux bonnes games là, et il s'est dit ok, c'est mon moment. Ah non, mais il joue vraiment ça souvent en fait.